Moi, je t'ai jamais vu. T'habites ici. Mon grand-père habitait là. Mais moi, je suis partie il y a longtemps. Tu n'es jamais revenue, même pas pour l'enterrement de ton grand-père? Quel enterrement? Il n'y avait pas de corps, on n'a pas retrouvé, voilà ce qu'on m'a dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Je sais pas s'il faut que tu le saches. Dis-moi. Un jour, on ne l'a plus vu. Il avait disparu. Oui, c'est ce qu'on dit. Je suis venue trier les vieilles affaires. Qu'est-ce que tu vas faire du reste? Vendre? Jeter? Je ne veux pas qu'on m'attache au souvenir. J'ai l'impression que je n'ai pas le droit de gâcher ce que mon grand-père a aimé. Elle ne t'a pas dit? Elle vend la maison. Menteuse. Je la connais mieux. Eugène Hermann, qui vous a légué cette terre, était mon grand-père. Je viens simplement pour en savoir un peu plus sur mon grand-père. C'est mal, Hortense. C'est très mal ce que tu fais. Tu accuses ton grand-père après sa mort de ne pas t'avoir donné d'explication. À toi, la petite fille égoïste qui nous a tous laissés à notre bouse, tu t'inquiètes de sa tombe? De quoi au juste d'une pierre à fleurir? C'est ce qui compte maintenant. La vérité, elle doit pas être bien belle à entendre.